On est en Facebook Live. Donc, nous sommes à l'étage de Fun Radio et le studio dans lequel nous allons travailler, c'est celui-ci. Alors, le nouveau studio de Fun. Attention. Voilà. Découvrez en même déjà, temps que nous. Il y a déjà des gens qui travaillent. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Ben oui, mais c'est nous les premiers, hein, donc bonjour. Bonjour. Voilà. Les futurs nouveaux studios de Fun Radio que vous découvrez comme l'équipe. Marchez pas sur les fils. Donc voilà. La nouvelle régie de Fun Radio. Nous, on va animer ici. Vous prenez pas le fer à brûler. Voilà, ma place, moi, ce sera là. Je sais, ici. Mais pourquoi nous, on en avance comme ça, Seb? Bah, c'est le choix qui a été fait d'envoyer les musicales en premier. Nous, on sera là le 27 novembre. Ouais. Lundi 27 novembre au matin, vous commencez là à 6h. Ça fait un petit quelque chose quand même, non? Ça fait quelque chose ou pas? Et ensuite... Et là ou Mini Live? Non, là. Non, ici, Mini Live, ça sera pas du tout. Et RTL 2 arrivera un mois après. T'as déjà ta console? Donc, je suis super contente. Moi, je ne regrette pas d'être venue. Je voulais venir ici et je ne suis pas déçue. C'est bien. Alors, Mika, tu es trop beau, notre studio? Il est magnifique, ce studio. Comme vous pouvez voir, il y a un rétroéclairage sur les tablettes. C'est tuning radio et c'est moi qui ai choisi le béton là, le faux béton là. Béton, tu vois, béton plus clair. Si c'est lui qui a choisi, c'est pour ça que c'est moche. Hein. Je suis quand même le seul animateur qui filme à la place de son webmaster quand même, c'est extraordinaire. Vraiment une équipe de bronquignoles. Alors, Fonce, t'as déjà ta console? Rien. Ok, console toute neuve. Allez, regarde, on va jouer. Ok. Pas plus. Pas moins. T'es content, François? Ah, c'est pas mal, hein, c'est joli. T'es loin de moi, par contre. Et ça, c'est les plans électriques. Voilà. Ça sera le DJ Boost, c'est-à-dire que les DJ auditeurs et DJ stars mixeront ici. Sauf quand on aura le mini-live, ça sera terminé. Il y a combien de micros? Deux, tu comptes? Deux par table. Deux, quatre, six. Et 8. Ça change pas notre dispo. Seb, il y a un peu plus de place. Ouais, il y a plus de place. Ah, plus de place. C'est, beaucoup, moins, c'est beaucoup plus grand. Si, regarde comme t'es grand. Oui, c'est un peu plus grand. Bon, grand là, mais là, on peut se mettre avec. En fait, en mètres carrés, Pedro, tu te souviens, c'était quoi, 5 mètres carrés de plus? Ouais, 10. Ouais, ouais, c'est presque 10. Hein. C'est quasiment 10 mètres carrés de plus par rapport au studio. En fait, nous on avions. A ça en plus. Ouais, exactement. Mais comme la table, elle est hyper grande. Ouais. Et les standardistes? Et les standardistes seront là, là où il y a le monsieur. Là. Mais pas grâce et. Grâce ouais. Et Cyprien. Grâce et Cyprien, vous avez vu où vous êtes? Ouais, bon, on fera d'eau, mais c'est pas que. Il est haut classe. Mais il y a une caisse au niveau du monsieur qui croise les photos. Mais ça, c'est définitif ou pas? Parce que faire la réelle vidéo d'eau au truc, c'est compliqué. Bah ouais. Bah, non, t'as ton écran retour, hein. C'est compliqué, mais en, oui, mais si en télé, Serge Calfon, il n'est pas il n'est pas dans le studio, hein. Il est dans un camion annexe. Hein. Regarde bien, dis-le, le réalisateur. Serge Calfon, Nicolas, hein. Ah, mais là, c'est Serge Calfon, c'est même pas le même délire. Hein. Dis donc, t'es en train de sourire. Ouais, moi, j'espère avoir, mais bon, faire pas être tout de suite. J'ai demandé parce qu'on a un énorme écran LED derrière le DJ, là. Ça me semble plutôt être un écran... Pas grand. Ouais, pas grand. T'as des choses à dire, à commenter, hein? Bah, je trouve que ça a une bonne tête et que ça avance bien et vite. Non, pas vous? Et c'est toi génial. C'est génial. Bah, de toute façon, t'es ravi comme d'hab. Vu l'avancée des autres, effectivement, c'est bien avancé. Alors, maman, aime bien sa nouvelle maison ou pas? Oui, j'aime bien, ça me fait un petit quelque chose. Est-ce où les enceintes? Ah, il n'y en a pas, par contre. Dans tes fesses, Martial. Martial, regardez, hop, qui s'occupe de la musique à Fun. Bonjour, on cherche les enceintes. Les auditeurs de Fun Radio. Il est beau gosse, hein. T'es célibataire toujours ou pas? Ouais, je suis célibataire. Ah putain, alors lui par exemple. En plus, la lumière, franchement, elle rend bien. Mais regarde, elle rend bien pas sur tout le monde, parce que moi, ça me fait une gueule de cul quand même. Voilà, c'est la visite des nouveaux studios. Alors attendez, parce qu'il y a encore. On va continuer. Vous allez pouvoir voir les blots. La lumière dont je vous parlais. C'est-à-dire que sur le plafond, il n'y a pas de grille.
On sera en dalle lumineuse et en LED comme pour éclairer les visages. Les visages, souvent quand on filmait à la caméra, les visages sont des ombres sous les yeux. Ça, vous allez voir notre futur bureau. Pascal Rémy, est-ce que vous connaissez Pascal Rémy, le responsable de la programmation musicale de Fun Radio? Voilà. Et mon bureau est là. Bon, et ton bureau, il est où? Toi, ton bureau, montre-nous ton bureau. Par là. Voilà, alors fais voir. Je crois que je suis là. Je crois que je suis dans le tuyau là. T'es au niveau du tuyau là? Ouais, je suis là, ouais. C'est bien, c'est bien. Non, ça décore, c'est joli. Bon, on a une terrasse. Ça va vite se rendre. Ça va être vite un dit à. Elle est pas mal. À Mégo. Ça va, Cyprien? Ça va, ça va. Ça se passe. Donc voilà, vous découvrez avant tout le monde les nouveaux studios de Fun Radio. Donc là, ça va être le studio principal. Il y a un autre studio ici, je crois, de mémoire, mais c'est fermé. À souder qui est tombé par terre, ça a cramé la moquette. Mais non. Bah, je te jure. Mais qui l'a fait tomber? Ah, ça, moi, je suis pas de balance. Hein. Et là, c'est la terrasse. Donc là, ça va être un studio aussi. Et là, ça va être chez nos petits camarades d'RTL2. Donc je le dis, s'il y a des potes d'RTL2 qui sont connectés, c'est le moment ou jamais. Voilà. Ici. C'est RTL2. Est-ce qu'on se parle des chiottes en open space? Oh, mais c'est quoi ton blocage sur les chiottes? Non mais attends, mais à un moment donné... Pascal Rémy, il a été faire pipi deux fois. Ouais, studio d'RTL2. Ils ont déjà fermé la clé, hein, les studios, hein. C'est ouf. Hein. Cabin Speak, un autre studio là-bas, je crois. Et RTL2, eux, ils ont des fenêtres, hein, quand même. Donc voilà les amis, les nouveaux studios. Bon, il y a encore un peu de boulot, on va être ici à partir du 27 novembre. Ça va taffer sévère, je vous annonce.